Bon. Jeff, je sais que le week-end a été difficile, qu'il a fallu que tu concentres beaucoup, que tu apprennes à conduire. Bon. Ouais, c'est malin ça. J'ai perdu un moteur. T'as perdu un moteur, ben voilà, tu vois, les 4L, c'est plus ce que c'était. Hein. C'est pas grave, puisque nous allons voyager quand même. Oubliez ici toute raison, vous allez peut-être comprendre la première phrase, entre-temps, vous n'allez plus rien comprendre, et à la fin, ça peut être très efficace. En fait, c'est les derniers mots. Acte 1, le voyageur. Nous étions en partance vers de lointains horizons, blessés par l'amertume d'une gauche qui lambine et d'un printemps pourri, dont on devinait déjà qu'il laisserait la place à un hiver maussade, nos montures harassées de cheminer péniblement face au vent mauvais qu'on rencontre parfois chez nous, mais chez nous c'est partout et partout c'est chez toi. Et comme toi et moi ne faisons qu'un, permets-moi de te dire que si tu es venu à la radio pour me parler de tes problèmes, c'était bien la peine qu'on invente un jour le réseau hertzien, la bande FM, campus et tout le bordel. Asseyons-nous ici, mon brave, dis-je au cactus qui m'accompagnait. Je voyage toujours accompagné d'un cactus, pas vous? Vous devriez. C'est un compagnon de route idéal, toujours prêt à vous défendre de ses piquants, la tête pleine d'eau, certes, mais plein de conversations banales, ô combien reposantes. Asseyons-nous ici, cher cactus, et voyons ce que l'aubergiste nous a préparé comme pique-nique. L'aubergiste, très cher homme, avait rempli nos gourdes d'un vin comme je les aime, peu tannique et très franchement de Touraine, idéal et idéal accompagnement d'un sandwich au pâté aux truffes léger comme un vol de flamant rose sur le lac Tanganyika. Ah, l'Afrique, c'est beau. L'Afrique et ses mystères. Repu d'un tel repas et prompt à m'allonger sur le bas-côté du chemin, j'interpellais mon ami le cactus. Très cher végétal armé de vigoureux piquants, toi dont la parole est plus pure que celle du nouveau-né et dont la mémoire est précise, raconte-moi la suite des aventures de ton aïeul, ce pingouin magicien de l'Asie mexicaine. Ah. Nous en étions, je crois, au moment où l'ancien roi Nicolas et son philosophe Bernard Henry cherchaient à prendre le pouvoir après avoir sérieusement sermonné leurs épouses qui leur faisaient de l'ombre. Continue, s'il te plaît, cactus de mon cœur, conte-moi la geste de ce pingouin frivole et sulfureux, mais néanmoins captivant. Acte 2. Je vous avais prévenu. Intitulé « Peste brune et vieille dentelle ». Bien armé jusqu'aux dents et complètement fou, Sarkozy le vicieux et son Bernard Henry, assoiffés de victoire contre la France des mous, aiguisent leurs couteaux et cherchent des appuis. Gouverner, c'est prévoir, déclare le philosophe. Je prévois la victoire et c'est un bon début, continue Sarkozy. Mais c'est une catastrophe. Pour gagner, il me faut plein d'autres trous du cul. Mon coucouche, mon éner, mon fidèle Kouchner, viens à notre secours, nous manquons de caution. Nos massacres seront des gestes humanitaires. Si tu reviens vers moi, tu auras mon pardon. Et c'est alors qu'on vit arriver de pas loin, la queue toute frétillante remuant la poussière, poursuivie par personne courant comme un bon chien, le servant de toujours, l'adorable Kouchner. Ô maître, ô mon bon maître, comme tu m'as manqué, j'ai connu l'infamie, la faim, la soif, la gale, mais depuis ma retraite, je n'ai pas traîné, j'ai trouvé un soldat, il s'appelle Soral. Soral, dis-tu? Voyons, cela ne me dit rien. Écarte-toi un peu, tu ne sens pas très bon. Ah oui, Alain Soral. Ah yeah, je me souviens. Il était très doué pour attirer les cons. Il l'est plus que jamais, rétorqua Bernardo. Et avec Dieudonné, puis Guéant dans l'armée, un soupçon de Le Pen et de Frigide Barjot, une victoire de Milan est à notre portée. Ce fut alors la joie, l'euphorie la plus folle. Puis un bruit explosa au milieu du champagne. La tête à Sarkozy exposa en plein vol. Et Pinguino surgit, héros sorti du bagne. Pouta. Oui, alors, parce que Pinguino... Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué à faire, parce que c'est un pingouin chinois qui a voulu et qui a un peu les yeux bridés. Alors, il faut faire les yeux bridés, sinon ça marche pas. Putana de vida, cerveau incontrôlable. Tout ça pour sa madre, c'est plus forte que moi. Maîtriser Sarkozy, je n'en suis plus capable. Valait mieux en finir, c'est bien fait comme ça. Soral, putain, la peur, ce déchet non manquant. Entre la droite dure et le fascisme armé, ce crétin admiré par des idiots brillants qui lisent la politique en bande dessinée. Voilà bien le combat, si rien ne nous arrête. Lutter contre les nazes qui ne voient que complots et manipulations nourris à l'internet, trouvant très fin Soral et le pauvre Dieudo. En vérité, je vous le dis, donne-moi boire.
Le combat est plus fin et la lutte sans pitié. Si vous voulez gagner et prendre le pouvoir, c'est contre ces gens-là qu'il va falloir lutter. Oh là ! Pinguino s'en alla, tel Robocop en gueulant « I will be back ». Mais pas ce soir, je vais prendre une douche. Le printemps est pourri, les fachos manifestent nombreux contre un mariage pour tous. Des sorales frustrés, d'autres petits aventurieux d'extrême droite, comme on les connaît bien, font la pluie et le beau temps sur Internet en donnant des miettes de faim de cerveau à des appétits rétrécis. Et la droite franchouillarde attend en embuscade, ravie de ce beau travail. Mais pour finir sur une note réjouissante, la vie est une histoire dont vous êtes le héros. Ou l'héroïne, ou les deux à la fois. Que croyez-vous qu'il adviendra ? Pinguino sera-t-il de retour pour nous sauver ? Ouais ! Allons-nous l'attendre sans rien faire ? Non ! Faites pousser des cactus, on sait jamais. Ça étanche la soif, ça pique un peu, et lancé dans la gueule de la bonne personne, ça peut être très efficace.